Coucou tout le monde, c'est Petite Crevette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review Equestria Girl, Rainbow Rogue. C'est la review du pack de Arya Blaze et Sonata Dusk. Donc ce sont les Dazzling avec Adagio Dazzle que je ne trouve pas en magasin malheureusement. C'est une review spéciale anniversaire. Alors, on va commencer, donc je vais vous montrer des poupées qu'il y a. Donc voici Sonata Dusk. Et voici Arya Blaze. Donc on va commencer avec la review de la boîte. Donc la boîte elle est grande, donc c'est le double d'une boîte basique. C'est normal parce qu'il y a deux bonnets dedans. Donc vous avez du côté droit de la boîte, quand on prend derrière, mais gauche de la boîte, quand on prend devant, vous avez la magnifique Sonata Dusk. Donc je ne connais toujours pas les prénoms, ce qui est bien triste. Donc voilà, donc poney elle est juste magnifique je trouve. Franchement, dommage qu'on la trouve pas. Donc là vous avez sa tête, là le bout de sa tête. Là vous avez le logo Rock, là vous avez le poney de Arya. Et là vous avez la tête d'Arya, donc là de l'autre côté. Donc vous voyez la cutie mark. Bon, ensuite, le derrière, le fond de la boîte, que j'ai gardé pour une fois. Donc c'est du rouge pour le côté de Arya et du jaune pour le côté de Sonata. Vous avez le logo Mac, le poney Equestria Girl, la règle de cercle. Bien sûr, la règle de cercle, le fer à cheval. Donc vous avez marqué c'est Sonata Dusk et Arya Blaze, The Dazzling. Donc sur le côté, vous avez le logo avec du jaune, les petits cœurs. Et donc là, il y a la tête. Donc là, vous avez le derrière que je vais vous présenter tout de suite après. Donc là, vous avez marqué le logo My Pony Equestria Girl, le poster, le concours de l'amitié, le concept, le concert de l'amitié, pardon. La tête, comme vous avez vu tout à l'heure. Enfin, derrière, vous avez le dessin de Arya et le dessin de Sonata. Donc ici, vous avez marqué la magie de l'amitié se trouve partout. Donc ici, vous avez Arya qui pense que vous n'allez pas résister à notre musique envoûtante. Et là, vous avez Sonata qui pense qu'il peut nous empêcher de prendre le contrôle. Donc voilà, vous avez un magnifique dessin. Franchement, il est magnifique. Et là, un magnifique dessin encore. Et là, vous avez marqué Arya. Et là, vous avez marqué Sonata Dusk. Et Arya Blaze, bien entendu. Voilà pour ce magnifique dessin. Donc j'avais juste une remarque à faire que j'avais remarqué, pardon. C'était que là, le t-shirt, il était noir. Et que là, il était bleu foncé. Voilà. Alors, les poupées étaient vendues avec leur carte. Donc la carte de Sonata. Et la carte de Arya. Donc voilà pour leur carte. Ensuite, pour Sonata, on va commencer avec ses accessoires à elle. Donc elle était vendue avec une paire de lunettes. Donc sa paire de lunettes, elle était rose, transparente. Voilà. Et elle fait un peu genre classe, enfin, c'est un peu une forme chelou. Donc sur les branches, il y a un petit cœur. Et donc sur le petit cœur, vous avez un éclair. Donc en fait, c'est un cœur cassé. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un cœur cassé, ce qui explique d'un coup toute la chose. Voilà. Ensuite, elle a été vendue avec un micro bleu avec des petites étoiles ici. Donc là, c'est pour mettre dans sa main. Et enfin, elle a été vendue avec ses ailes qui sont très différentes de celles des Rainbow Rock, car elles sont plus grandes. Voilà, donc je vais vous les présenter tout de suite. Bien entendu, il y a le petit trou pour le mettre, normal. Donc, ses ailes sont roses. Il y a des petits cœurs. Et donc, cette fois, c'est des vrais cœurs, ils ne sont pas cassés. Et donc, il y a aussi des éclairs. Alors, on va commencer avec la review de Sonata. Pardon. Et donc, déjà, elle a une frange qui rejoint au milieu et sur le côté. Il n'y a pas de cheveux. Et donc au milieu de la frange, il passe le trait bleu foncé. Qui va aussi dans ses cheveux de derrière. Et il y a aussi les cheveux bleus basiques. Les cheveux bleus qui sont clairs. Voilà. Donc ensuite, elle a une couette. Donc plutôt une queue de cheval. Et comme ceci. Qui avec ses cheveux. En fait, c'est le chouchou, c'est ses cheveux. Qui sont bleu foncé. Je sais pas trop comment ils ont fait. Mais en fait, en dessous, il y a aussi un vrai élastique. Voilà, mais on voit plus les cheveux bleu foncé qui font type de chouchou que de cheval. Elle est bleu clair. Mais elle a aussi deux mèches bleu foncé. Donc, une en dessous et une au-dessus. Voilà, vraiment très très jolie, franchement. Sublime. Voilà, ses cheveux, vraiment. Et donc, elle a une queue qui est plus longue, en fait. Parce que... c'est fait en deux queues, voilà, c'est fait en une ici et une en dessous. Et donc celle d'en dessous, elle est accrochée avec un élastique
mèche du dessus, elle descend pour faire un peu une queue de poney. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc elle, sa peau, elle est bleu hyper clair. Je sais pas trop comment la décrire, sa peau, franchement. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elle a les petites oreilles. Donc elle a ses yeux. Donc dans ses yeux, il y a un cœur cassé. C'est très triste, franchement. Et elle a du fard à paupières bleu très clair. Elle a les yeux violets. Vous voyez bien son cœur là. Et donc pareil pour le petit œil. Elle a du fard à paupières bleu clair. Un cœur cassé blanc dans les yeux. Et les yeux violets. Donc ensuite là, elle a son petit cœur de cutie mark. Donc un cœur rose foncé avec un éclair bleu qui traverse le cœur. Voilà. Son rouge à lèvres, il est rouge. Et elle a le même trait que DJ Brown Fruit. Du même côté. Du côté droit cette fois. Donc non, c'est pas du même côté. Et c'est un peu chelou quand même, je trouve. Parce que c'est pas des deux côtés. C'est que ce côté le petit très bizarre. Voilà, mais sinon elle est assez rose. Foncé. Donc maintenant ses habits, donc elle a une petite cravate qui peut s'enlever. Mais qui est accroché à son t-shirt. Voilà. Donc la cravate, elle est blanche avec en bas le cœur cassé par un éclair. Et sinon, ce qui accroche à son cou, c'est rouge. Et là, vous voyez son diamant pour récolter la méchanceté des gens. Ensuite, pour son habit t-shirt, voilà. Donc le t-shirt, il est rayé. Donc c'est du rose rayé violet. Donc voilà, donc pour son col, il est très large. Voilà, et donc c'est du violet. C'est une ceinture de manches courtes et avec donc les bords, ils sont violets. Voilà, donc il est court le t-shirt. Donc ensuite, là, elle a une ceinture qui est bleue très claire avec ici des chaînes qui sont bleues claires. Et donc devant, il y a un cœur brisé. Ça, c'est le morceau du. C'est un morceau d'un cœur. Ça, c'est l'autre morceau. Donc en fait quand on les regroupe, ça fait un cœur. Donc ensuite elle a une jupe qui est plutôt courte ou mais en même temps un petit peu longue. Enfin, elle est plus longue du côté gauche. Voilà. Donc dessus il y a aussi un éclair en petit tiret comme ça. Rose très clair. Donc voilà. Donc des deux côtés il y en a un d'éclair. Et sa jupe elle est violette très foncée. Ses jambes ils ont pas de collant cette fois-ci. Donc ils sont de la même couleur que son corps. Ce qui est plutôt sympathique. Donc voilà. Donc, sinon elle a des grosses bottes avec un éclair devant. Voilà comme d'hab. Donc c'est des bottes qui sont très montantes. Hein, qui lui arrivent au-dessus du genou. Et sinon elle a des talons. Qui sont plutôt petits par rapport à certaines Equestria Girls. Mais elles sont quand même très grands. Donc derrière il y a des petits trous. Enfin genre... c'est pas complètement droit. Ça représente un peu un éclair. Il y a deux petits trous. Et sinon les bottes peuvent s'enlever. Voilà. C'est très facile. Et sinon, bah voilà. Voilà pour la review de la merveilleuse Sonata. Maintenant on va passer à la review de Aria. Pour Aria, elle a la peau rose très claire. Donc voilà. Alors elle a les oreilles là, donc ses cheveux ce sont deux couettes, voilà, donc elle est vendue avec des ailes qui sont vert foncé, enfin vert un peu fluo, enfin je sais pas comment vous dire, vous voyez très bien, donc il y a plein de petites étoiles et de petits trucs comme ça, de petits motifs, comme vous pouvez le voir, je vous conseille vraiment beaucoup ces poupées, et donc arrière est aussi vendue avec son micro qui est sublime, qui est violet, voilà. Et qui violet, qui a ici des petites étoiles, comme celui de Sonata. Donc elle a deux couettes, donc ses couettes, ils sont violettes. Voilà. Et en fait, là, elle a deux mèches sur les côtés qui sont plus courts et qui sont violets avec un petit passage de cheveux verts. C'est vraiment magnifique. Et donc, il y a aussi des cheveux verts dans ses couettes. Donc il y a des petites mèches vertes. Derrière, bah, là où il y a aussi une mèche verte et c'est pas moi qui ai fait ses couettes. Donc la raie est vraiment très bien faite. Voilà. Donc aussi pour ses habits, donc là elle a son petit étoile qui rapporte, vous savez, la magie là. Donc là son cou, elle a aussi le petit diamant. Donc là c'est plutôt le diamant qui rapporte la magie. Donc ensuite ses yeux, ils sont roses avec dedans une petite étoile. Et donc là il y a sa cutie mark qui est une étoile violette. Donc ses bouches, elle est rose foncé.
Voilà, donc ensuite elle a un t-shirt comme ceci, donc qui était plus foncé. Donc là il part en forme de triangle. Là il y a deux petites pointes. Et là il y a du blanc. Donc désolé, ces talons viennent de tomber. Donc ses bras sont articulés comme d'habitude, hein, je ne le répète plus, je suis désolée. Donc ensuite elle a une petite jupe qui est verte. Donc on peut enlever sa jupe. Enfin, je crois. Je suppose. Oui, on peut l'enlever. Non, mais je vais pas l'enlever parce que voilà, ça va être galère. Donc c'est en fait c'est une jupe dentelle, on va dire. On voit à travers. Voilà. C'est vert, très clair. Et c'est vraiment super. Enfin, je trouve ça vraiment très original, franchement. Et donc il y a deux couches. Il y en a une là. Et une là. Et donc c'est cousu. Les deux ils sont accrochés. Et sinon derrière, bah, tout est accroché. Donc c'est le même tissu. Donc ensuite elle a un pantalon, legging, qui est rayé, donc violet et blanc. Voilà. Il est vraiment très joli. Et donc ses jambes ils sont aussi roses, donc de la même couleur que son corps, comme le corps de Sonata. Voilà. Donc ensuite pour leurs chaussures, donc celle-là c'est des petites chaussures qui vont. C'est pas des bottes en fait. Et donc elle a des gros gros talons par rapport à Sonata. Et donc ici sur le devant il y a une grosse étoile, sa cutie mark violette. Donc toutes ses chaussures elles sont violettes. Hein. Là on voit ses orteils. Autour de sa cheville il y a des petits pics. Enfin voilà. Donc on peut enlever ses chaussures comme d'habitude. Voilà pour la revue de la merveilleuse Aria. Voilà, cette revue est à présent terminée. Tu peux lâcher un petit coms pour me dire ce que tu en as pensé et comment je dois m'améliorer. Tu peux aussi me dire si tu as ces poupées ou si tu vas les acheter ou si tu les trouves belles ou si tu les trouves moches. Personnellement, je les trouve vraiment magnifiques. En plus, pour une fois, elles ont les jambes de la même couleur que leur peau. Donc voilà, mais ça c'est différent, donc j'aime autant. Allez, bisous mes saucissons!